Attention un peu. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On lave les treillons? On va aller chercher le savon pour laver les treillons? On met du savon sur les treillons. Bon, là, on a mis du savon. Pourquoi on met du savon? Pour bien laver les crayons, pour qu'ils soient propres. OK? On les suit. Après ça, on va mettre... On va essuyer la vache comme il faut. Là, est-ce que tu irais me chercher mon gobelet bleu, s'il te plaît? Oui. Il y a beaucoup d'amis ici, hein? Alors, pourquoi... On sort un peu de lait des crayons? Es-tu capable? C'est dur, hein? Ah! Tu veux l'avoir? Hein? C'est ça, encore. C'est beau! Là, on va sortir en arrière. C'est beau, juste un peu. Là, on regarde le lait, s'il est beau. Vois-tu, il n'y a pas de filament, il n'y a pas rien. Là, on va montrer aux amis. Là, le lait, il est beau, là. On va traire les vaches? OK. Attention, je vais te placer la trayeuse, Olivier. Puis toi, tu vas l'installer. OK. On va plugger en arrière. Papa va faire cela en arrière de l'autre côté, puis tu vas montrer l'eau. C'est beau! Là, on va montrer aux amis, là, le lait va passer ici, là. Regardez, là, on voit le lait qui descend de chaque crayon. C'est un mouvement de pulsation qui fait ici, là. Ça compresse ce crayon. On entend le bruit. À chaque fois qu'on entend un bruit, là, on suit le rythme. Puis là, ben, le lait, il descend. On voit le lait descendre. Le lait passe par le tuyau, puis il s'en vient dans la chaudière ici. Quand on traite toutes les vaches, là, on n'utilise pas les chaudières. On prend le lait s'en vient ici, là, dans le tuyau de stainless. Puis il s'en va tout dans la laiterie, dans le gros, le petit réservoir que je t'ai montré. Après ça, il s'en va dans le gros réservoir à lait. Ici, là, avec l'ordinateur, on peut voir combien de lait la vache va faire. Là, quand ça va être fini, là, ben, la griffe, là, va sortir tout seul. Tu vas voir, là. Elle va venir se réinstaller tout seul. Papa, il n'y a pas besoin de la déconnecter. Toi, tu le sais. Mais tes amis, ils n'ont pas vu ça, hein? Regarde. Oh, ça va partir. Regarde, là, ça part. Et c'est fini. Là, on a fini la traite de la vache, mais il faut mettre de quoi pour... Qu'est-ce qu'on met? Oui. Ça, on appelle ça un bain de treillon. Ça sert à sceller tout le treillon quand on a fini de tirer la vache pour pas qu'il y ait de bactéries qui gardent dans le treillon puis qu'elle abîme tout le beau pied de la vache ici. OK? Viens, on va. C'est ça. Montre comment on met. On met juste un coup. C'est bien. Bon, Olivier, on va aller faire boire les petits veaux. Ça, c'est le biberon des petits veaux. Fait que le lait est à l'intérieur. On vient de mettre du lait. On met le bouchon. Et le biberon est prêt pour le petit veau. OK? Il est lourd. Il est lourd. OK? Tiens. Là, les numéros aussi, Olivier, là, ils servent à identifier chaque vache. Puis tout le long de sa vie, on va savoir que ce numéro-là correspondait à ce petit veau puis à sa vache-là. Hein? Tu veux monter ton taureau? Tiens, monte ton taureau. Le taureau, c'est lui. You got to, when they had the lambs and you got to put them on the trailer taking down the field, that can be quite frustrating when the sheep won't go on the trailer. Non.
Wie gesagt, das ist der Bauch. Wer mag den haben? Niemand. Keiner mag den Bauch haben. Also hier hinten habe ich schon aufgeschoren, das habe ich bereits gesagt, einfach nur, weil es die delikaten Stellen sind beim Schaf für die Reproduktion. Ja, deswegen stelle ich da jetzt nicht, das habe ich vorher schon gemacht, vorbereitet. Aber das Kamerun-Schaf. Wir wollen es ja, dass es sauber aussieht. Also das ist die erste Seite, das heißt der erste Schenkel. Da habe ich das Schaf völlig im Griff. Ja? Ich gehe jetzt aber hier rüber, zack, mit meinem Fuß dazwischen rein. Ich muss ein bisschen die Position verbessern. Das Schaf sitzt wieder total entspannt. Ja? Wenn die jetzt so langsam mähen, dann heißt es kürzer, bitte. Und das habt ihr jetzt gesehen, das Schaf liegt wie gesagt total entspannt. Ja? Das hat nichts mit Tierquälerei zu tun, sondern im Gegenteil, ich sorge mich um dieses Tier, weil wenn ich es nicht scheren würde, würde es irgendwann, wie viel Kilo hat diese Wolle hier? Das sind ungefähr 4 Kilo. Ja? So ein Schaf lebt mehr als 10 Jahre, jedes Jahr 4 Kilo Wolle plus den Dreck, den man damit sammelt. Das heißt, irgendwann würde das Schaf 40 Kilo mit sich rumschleppen. Okay, die will nicht da liegen bleiben. Wird irgendwann 40 Kilo mit sich rumschleppen. Das ist einfach schlecht. Ja? Also müssen wir die Schafe scheren. That is a pretty good sized hole there. That's what I said. That was the perfect video, dude. That was amazing. Drive that wheelbarrow in there, Tyson.
soon as, if he does anything, I'm quick so I can just pull him in. Don't bite it. You want me top draw, rope you? I will. Yeah, you probably gotta go through that. That's what I'm trying to do. Qu'est-ce qu'on fait? On lave les crayons? On va aller chercher le savon pour laver les crayons? On met du savon sur les crayons. Bon, là, on a mis du savon. Pourquoi on met du savon? Pour bien laver les crayons, pour que ce soit propre. OK? Là, on l'essuie. Après ça, on va mettre... On va essuyer la vache comme il faut. Là, est-ce que tu irais me chercher mon gobelet bleu, s'il te plaît? Oui. Il y a beaucoup d'amis ici, hein? Alors, pourquoi on sort un peu de lait des crayons? Es-tu capable? C'est dur, hein? Ah! Oh, tu veux l'avoir? Hein? C'est ça, encore. C'est beau! Là, on va sortir en arrière. C'est beau, juste un peu. Là, on regarde le lait, s'il est beau. Vois-tu, il n'y a pas de filament, il n'y a pas rien. Et on va montrer aux amis. Hein? Le lait, il est beau, là. On va traire les vaches? OK. Attention, je vais te placer la trayeuse, Olivier. Yeah. Puis toi, tu vas l'installer. OK. On va plugger en arrière. Papa va faire cela en arrière de l'autre côté, puis tu vas montrer l'autre. Yeah. C'est beau! Là, on va montrer aux amis, là, le lait il va passer ici, là. Regardez, là, on voit le lait qui descend de chaque crayon. Et le biberon est prêt pour le petit veau. OK? Il est lourd. OK? Tiens. Là, les numéros aussi, Olivier, là, ils servent à identifier chaque vache. Puis tout le long de sa vie, on va savoir que ce numéro-là correspondait à ce petit veau puis à sa vache-là. Hein? Tu veux monter ton taureau? Tiens, monte ton taureau. Le taureau, c'est lui. You got to, when they had the lambs and you got to put them on the trailer taking down the field, that can be quite frustrating when the sheep won't go on the trailer. Wie gesagt, das ist der Bauch. Wer mag den haben? Niemand. Keiner mag den Bauch haben. Also hier hinten habe ich schon aufgeschoren, das habe ich bereits gesagt. Einfach nur, weil es die delikaten Stellen sind beim Schaf für die Reproduktion. Ja, deswegen stelle ich da jetzt nicht. Das habe ich vorher schon gemacht. Vorbereitet. Aber das ist für die Kamerun-Schaf zum Beispiel. Ich weiß nicht, dass ich genau. Ich hab's aus.
Wir wollen es ja, dass es sauber aussieht. Also das ist die erste Seite, das heißt der erste Schenkel. Da habe ich das Schaf völlig im Griff. Ja? Ich gehe jetzt aber hier rüber, zack, mit meinem Fuß dazwischen rein. Ich muss ein bisschen die Position verbessern. Das Schaf sitzt wieder total entspannt. Ja? Wenn die jetzt so langsam mähen, dann heißt es kürzer, bitte. Und das habt ihr jetzt gesehen, das Schaf liegt wie gesagt total entspannt. Ja? Das hat nichts mit Tierquälerei zu tun, sondern im Gegenteil, ich sorge mich um dieses Tier, weil wenn ich es nicht scheren würde, wird es irgendwann, wie viel Kilo hat diese Wolle hier? Das sind ungefähr 4 Kilo. Ja? So ein Schaf lebt mehr als 10 Jahre. Jedes Jahr 4 Kilo Wolle plus den Dreck, den man damit sammelt. Das heißt, irgendwann wird dieses Schaf 40 Kilo mit sich rumschleppen. Okay, die will nicht da liegen bleiben. Wird irgendwann 40 Kilo mit sich rumschleppen. Das ist einfach schlecht. Ja? Also müssen wir die Schafe scheren. C'est un mouvement de pulsation qui fait ici là. Ça compresse le rayon. On entend le bruit. À chaque fois qu'on entend un bruit là, on suit le rythme. Puis là, ben, le lait il descend. On voit le lait descendre. Le lait il passe par le tuyau, puis il s'en vient dans la chaudière ici. Quand on traite toutes les vaches, là, on n'utilise pas les chaudières. On prend le lait s'en vient ici, là, dans le tuyau de stainless. Puis il s'en va tout dans la laiterie, dans le gros, le petit réservoir que je t'ai montré. Après ça, il s'en va dans le gros réservoir à lait. Ici, là, avec l'ordinateur, on peut voir combien de lait la vache va faire. Là, quand ça va être fini, là, ben, la griffe là, va sortir tout seul. Tu vas voir, là, elle va venir se réinstaller tout seul. Papa, il n'y a pas besoin de la déconnecter. Toi, tu le sais? Mais tes amis, ils n'ont pas vu ça, hein? Regarde. Oh, ça va partir. Regarde, là, ça part. Et c'est fini. Là, on a fini la traite de la vache, mais il faut mettre de quoi pour... Qu'est-ce qu'on met? Oui. Ça, on appelle ça un bain de treillon. Un bain de treillon, c'est ça. Ça sert à sceller tout le treillon qu'on a fini de tirer à la vache pour pas qu'il y ait de bactéries qui gantent dans le treillon puis qu'elle abîme tout le beau pied de la vache ici. OK? Viens, on va. C'est ça. Montre comment on met. On met juste un coup. C'est bien. Bon, Olivier, on va aller faire boire les petits veaux. Ça, c'est le biberon des petits veaux. Fait que le lait est à l'intérieur. On vient de mettre du lait. On met le bouchon.